so I make it harder. Voilà. Tu veux pas? Tu veux? De quoi? Chanson. Chante. Chante. Tu veux? C'est quoi après? Ah, après, je sais pas. Jusqu'au bout, on a travaillé, c'est super. I think because you're here, you stay here. Okay? If you can go here, it's because that's all I need. But stay up. Push through. Tira, c'est pas parfait, mais c'était déjà beaucoup mieux que ce qu'on a fait la semaine précédente. Après, on a encore plein de choses à régler, on va avancer. Mais c'est surtout là-dedans qu'elle va se passer, la mêlée. Surtout celle de ce week-end. Faut l'aborder comme un gros combat collectif. Ils ont une bonne mêlée, une très bonne mêlée, ils viennent ici jouer le match de la mort. Ça veut dire que sur les mêlées, sur toutes les phases de combat, il va falloir que ça soit. Très progressive. Voilà.
change ses appuis, voilà. Vous avez fait une fois le slalom face ? Non. Ok les gars, ce matin, le programme pour ce matin. On va se préparer. On va se préparer. Ça se passe. Là, on fait doucement. Allez, là. 3, 2. On monte. 10, 3. Ouais, j'ai 10, 10. 99% de nos jeux, c'est ça. Mesure, ok. Sylvain. Julien Sylvain. Connie. Baptiste. Marika. Lucas et Luca. Ok. Tu peux le filmer parce que tu vois, ça c'est le genre de mec qui te dit qu'il doit venir à un rendez-vous, à un match de hand, et le mec on l'attend toujours, tu vois, donc tu peux filmer ces grosses zebis là. Merci, salut.
C'est celui-là, regarde. Allez, je suis pas voyé là. Ah, pourquoi tu me pousses? Pourquoi tu es rageux comme ça? Il est là le vainqueur ou pas? C'est sûr, regarde. Je le ferai qu'une fois. Un peu nervous, ouais. Un peu anxiety, on dit en anglais. Mais quand même, je pense que ça va aller. Hein. Ouais. On a bien préparé la semaine. On a bien bossé. Je sens qu'on a bien prêt, mais c'est un gros combat qui sur nous attend. Sur le plan personnel, tu es heureux. Personne, oui. Toi, ouais. Ah oui, trop content. Hein. Depuis quelques mois, j'ai trop envie de reprendre le train avec mes coéquipiers. Puis pour donc, un match très important. Ouais. Donc il faut que je joue bien, en fait. Je suis bien en forme. Ouais, le mec il roule. Qui roule en voiture, il se fait doubler par un poulet. Il dit, c'est ce poulet là qui me double, il accélère, il revient sur le poulet, il regarde. Putain, il dit, il a trois pattes. Qu'est-ce que c'est ce poulet? D'un coup, il regarde son compteur à 60 km à l'heure, quoi. Et ben putain, il dit, mais qu'est-ce que c'est ce poulet là? Du coup, il suit le poulet, il prend à droite, il prend un petit chemin, il arrive dans une ferme, et il rentre directement dans le hangar. Il rentre directement dans le hangar. Le mec, il sort de sa voiture, il va au hangar. La porte est entrouverte, il regarde comme ça, il voit que des poulets à trois pattes. Mais qu'est-ce que c'est cette race de poulets là? D'un coup, il y a une main qui se pose sur son épaule, il y a un putain de paysan derrière lui. Il dit, qu'est-ce que vous cherchez? Ah, il dit, non, rien, je regarde les poulets. Il dit, mais comment ça se fait qu'ils ont trois pattes? Il dit, parce que nous on est trois à la maison. Et comment on se bagarrait toujours pour avoir les pattes? Il dit, petite picouse, et maintenant on a des poulets à trois pattes. Ah putain, et ils sont bons? Il dit, je sais pas, il dit, cours trop vite, on parvient pas à les rattraper. Quoi. Lucas, on se rugby inside, a très envie d'avoir de tes nouvelles. Ça va bien. Ça va bien? J'ai plus mal. Plus mal? T'as plus mal? J'ai repris le kiné, la muscu, un petit peu doucement, à la piscine. Et dans semaine, ça fait deux semaines. Deux semaines sur le terrain? Deux semaines, je pense, sur le terrain, sans contact. Je t'ai dit, là, t'es... Chut.